Envoyer leur vin pour en enfer. On parle pas à la bouche pleine. J'ai même pas la bouche pleine. Crache la bite que t'as dans la bouche. Non, fuck you. J'adore les apparitions surprises de Razor aussi. De temps en temps, il envoie un message sur Messenger. Il dit, ça va les gars? Tu lui dis oui et toi, il répond plus pendant 6 mois. Allez hop. Non, d'après moi, c'est qu'il doit avoir un délai de 6 mois. Et on fonce pas, c'est le plaisir de tuer les meubles là. Il y a du ping, ouais. Il y a un décalage. Est-ce qu'il y a toujours l'ennemi qui est dans le mur? Fragment d'aria inerte. Oh mais un ennemi dans le mur, c'est bizarre, ça fait juste 3 ans qu'il est planqué dans le mur. On n'a pas assez d'argent pour pouvoir le débloquer. Le fameux ennemi dans le mur. La légende raconte qu'il y a un membre de la... T'imagines que le machin, ça fait 3 ans qu'il est dans le mur. Ouais, bah il va me tuer. 3 ans qu'il est dans le mur. T'imagines pour lui bloquer dans un mur pendant 3 ans. Comment il fait pour survivre? Me demander comment il doit faire pour survivre, il n'y a rien dedans. C'est vide, complet. De sûrement se nourrir avec la photosynthèse. Oh my god! Ok, ouais, il est vraiment pas mal, hein, le tout. Vas-y, à la prochaine, Paul. Oh, il y a toute la map qui explose avec des embrasements. Attention, Igloo. Igloo. Ne décède pas, s'il te plaît. Oh, un ennemi surchargé. Combien de fois va-t-il régénérer ses PV? C'est assez complexe. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour déchiffrer quelque chose que j'ai déjà déchiffré environ 650 000 fois en prenant en compte seulement 10 joueurs sur la planète Terre. Mais les gars, mais qu'est-ce que vous faites? C'est une GM, voyons. Pourquoi vous venez pas vous cacher au fond? Alors? Alors? Ben alors, les garçons? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, niveau de jeu augmenté pourtant.
Attention, il y a le spawn de la ruche. Nous allons tous mourir. Ouais. Oh, les sorcières m'ont pris en tenaille. Je vais me recroqueviller vers l'arrière de la map. Ah, un spawn ennemi. Je sors mon arme. Et je tire avec mon sniper. Non, ton sniper. Oh, des embrasements. Attention les gars, un surchargé, il est mort. Il est mort si vite. Ne vous inquiétez pas les gars, je vous couvre. Attention, restez pas au milieu. Un spawn très dangereux d'ennemis voraces va arriver. La musique s'intensifie. Les ennemis s'énervent. Un commandant cabal vous défie. Oh putain. Yo, what the... Ah, des ennemis. Un surchargé, surchargé. Je utilise mon super rechargé. Quoi ? D'où il a pas été surchargé ? Ah, mon coéquipier est mort en patrouille. Je vais le res. Hey. Ne t'inquiète pas, mon collègue de patrouille, je te res. Oh, un surrechargé, il est mort. Oh, un engramme exo. Oh super, tu vas avoir environ 650 milliards de fois la même armure que t'as déjà obtenu 650 fois avec les bonnes stats depuis 3 ans. Pour infuser. Et comme c'est exotique, c'est censé être exceptionnel, c'est la raison pour laquelle tu vas la supprimer et obtenir aucun matériau utile. Ça va être exceptionnellement très amusant la supprimer. Continuons. Les amis. Ah, un anti-barrière. Attention, je crois qu'il y a des snipers. Ah, je me suis pris un tir vorace. Attention à ma vie. Vicarful. Tu as un peu trop avancé, my friend. Mon friend. Oh, une araignée très dangereuse. Que vais-je faire ? Oh. Ce n'est plus un mille pattes désormais. C'est maintenant une chenille. Ouais, c'est bon, là, man. Ah, une araignée. Elle est morte. Attention, ennemi dangereux sur ouais, la gauche. Je suis mort, là, mais c'est abusé. Ouais. J'énerve les meubles, là, dans mon dos. Yo, sniper, dégage. Et Baptiste. Oh, Baptiste le rebut. Mais ça va pas, Baptiste. Ce garçon. C'est pas net. Bazon, essaie pas de faire des imitations de soi-même. C'est l'autodérision. Mais pas grave. Wesh. Oh, un collègue de patrouille est tombé au combat. Attention, je déclenche des embrasements. Oh, j'ai pété la map accidentellement. Mince alors. Oh, il a mis sa barrière. Que vais-je faire ? Je suis perdu désormais.
Bazou, tu n'as pas réanimé notre collègue de patrouille, c'est ton rôle dans l'escouade. Réanimer les autres. Je sais pas à quel point ça me coûte cher de réanimer quelqu'un d'autre. Mmh. Je me retourne, je me dis que Bazou est en train de tuer surchargé, je m'aperçois qu'il est full life. Ah mince, j'ai pas beaucoup de lourdes. Comment vais-je faire ? Tirer avec mon arme principale et faire péter la map. Hop. On recharge les munitions. On fait péter la map. Voilà. Pochette d'allumettes de Tommy. Merci. Voilà. Pourquoi lui sortir une autre arme quand on a la pochette d'allumettes de Tommy? Pourquoi jouer avec des armes lourdes? J'ai des munitions limitées. Regarde, ça pète en boucle là-haut. Tout le monde meurt. Regarde, regarde. Regarde les serviteurs. Voilà. Pochette d'allumettes de Tommy, bonjour. Arme fortement critiquée de ma part. Je pense plus que toute la planète entière, j'ai critiqué. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une utilité pour me faire pardonner. Juste que toute la map qui pète, c'est tout. Ah, le serviteur, il s'en va, il s'en va, il s'envole. Allez, salut. Allez, salut mec, hein. Regarde, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Et il est dans le ciel, il vole. Voilà, bon, il est parti, hein, ça y est. La Team Rocket est partie vers notre cieux. Non, mais... Ah. Voilà. On tue pas les... Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il fallait peut-être tuer quand même les surchargés, non? Non, regarde, c'est bon, on a tout eu. Avec l'ascendante. Vous les avez touchés, c'est le principal. Ils survivront. Comme toujours. 13 minutes 08, ça ressemble vachement à un temps pour les assauts, ça, quand même. Ah oui, mince, c'est vrai, c'est extrêmement utile cette nouveauté d'ailleurs. Ah voilà. Merci. Il y en a une en plus. Voilà. Regarde, hein. Pochette d'allumettes du Tommy, hein.